Salut à tous, nous sommes à Paris aujourd'hui en direct du Parc des Princes. C'est Hervé Matou avec, vous vous en doutez, à mes côtés Pierre Ménès. Occasion pour nous aujourd'hui en tout cas d'assister au sacre des futurs champions dès aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain face au Bayern Munich. Mission combien intéressante qui attend cette équipe aujourd'hui. Un point, un tout petit point, elle aura le titre en poche sans passer par la case suspense insoutenable de l'ultime journée. Messi, eh non, la passe est interceptée. Allez, le Bayern qui part à l'assaut du but adverse. Ouais, bien pris la défense. Messi. PSG qui perd ce ballon. Ah, il a vu qu'il y avait quelque chose à faire dans cet espace. C'est dommage, c'est pas bien joué. Non, il y a hors-jeu. Thomas Müller. Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. Bien sûr, il fallait l'arrêter, mais ça pourrait lui valoir un carton. Et la faute, bien sûr, et le carton jaune. Jaune. C'est pas possible, là. Il méritait rouge, Hervé. C'est Robert Lewandowski qui... Ah, le coup franc qui vient frôler le montant. Ouais, je peux te dire que le gardien est soulagé de l'avoir passé à côté, celle-là. Marquinhos. Florenzi. Mbappé. Il tacle. Lewandowski. Ah, le ballon qui est donné en profondeur. Ah, c'est un but qui conforte cette équipe en tête du classement. Le titre est vraiment tout proche maintenant. Ouais, c'est tellement bien parti pour elle qu'on ne voit plus trop ce qui pourrait lui arriver. Le numéro 25. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Ah oui, Messi, superbe. Ça presse haut, attention à ce ballon. Messi. Le ballon qui sort, ce sera une sortie de but. À la bas. Koretka. Avec Müller. Thomas Müller. Ah oui, Lewandowski, bien joué. Lewandowski. Il est dépossédé du ballon par Marquinhos, c'est à la régulière. Ah, elle passe en profondeur, attention. Ballon perdu par les Parisiens. Koretka. Robert Lewandowski. Ah non, ballon perdu. Kimmich. Avec Lewandowski. Ah, il avait tout compris, là, le défenseur, bien vu. Ballon d'Mbappé rendu à l'adversaire directement. Attention, il y va tout seul. Ouais, quel but! Oh, magnifique! Les joueurs qui prennent encore un petit peu plus le large dans cette rencontre, décidément, ils auront dominé ce championnat de la tête et des épaules. Ouais, ils vont être champions dès le coup de sifflet final. C'est quand même assez exceptionnel. Müller. Lewandowski. Serge Gnabry. Sagaï, Mbappé. Le Paris Saint-Germain qui après une petite période d'un peu moins bien est revenu vraiment au sommet. Ah oui, ils ont su attirer des grands noms du foot et c'est sûr que pour se bâtir un joli palmarès, c'est plus simple. Kimmich. On va construire en passant sur les côtés. Ouais, ça va vite, ça joue bien dans les pieds. Müller. Robert Lewandowski. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Neymar. Et il concède le corner. Les occasions sont rares pour cette équipe, alors ce corner...
C'est repoussé par le gardien. Serge Gnabry. Ouais, le Bayern qui va essayer de s'engouffrer dans ce boulevard. Ah oui, la bonne passe. Ah, il attendait sans doute la passe plus tôt. Ballon qui est sorti en touche. Thomas Müller. Robert Lewandowski. Non, c'est venu en profondeur. Et l'occasion. Ouais, l'arrêt du gardien, bonne prise de balle, pas de souci. C'est qu'il a manqué sa passe et qu'il donne le ballon à l'adversaire. Le ballon en profondeur. Et c'est au fond. Et ils enfoncent le clou avec ce nouveau but. Je crois qu'on peut dire que, sauf catastrophe, ils vont être champions aujourd'hui. Ouais, après, avec qu'ils n'avaient besoin que d'un petit point pour être sacré. Donc... En plus, là, les joueurs n'ont pas fait les choses à moitié. Ah, la bonne qualité de ses passes. Oh, il était temps d'intervenir là. Ouais, bien défendu. Le ballon qui est sorti en touche. Mbappé. Ouais, ça revient vers Messi. Ouais, il tient debout. Hein, il conserve ce ballon. Non, ça ne passe pas. C'est contré par le défenseur. Ils prennent leur temps. Ils posent le jeu. Oh, le plongeon! Oh, il n'a pas hésité à y aller. Et il a eu raison. Ouais, il fallait encore l'avoir, le ballon. C'était pas évident. Attention, ce corner de Neymar. Le gardien qui préfère boxer ce corner. Ah, mauvais dégagement, mal fait. Attention. Ah, le but de Neymar. Neymar qui marque. Ah, c'est le genre de situation qu'il aime bien. On revoit la séquence qui mène au but. Ça démarre en fait avec ce dégagement raté. Et après, bah... Faut pas leur en donner plus, hein. Les attaquants adverses se sont fait un plaisir de punir leurs adversaires. Allez, c'est la mi-temps. Ça repart pour la seconde période avec le Bayern qui mène pour l'instant. Hernandez. Joshua Kimmich. Tolisso. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Corentin Tolisso. Kimmich. Müller. Thomas Müller. Quel ravasse qui se détend et qui va chercher ce ballon. C'est magnifique. Ouais, très appliqué, hein, Kimmich sur ce corner. Paris Saint-Germain qui va avoir un coup franc à jouer. Tout seul face au gardien. Ouais, quel but, magnifique. Avec ce nouveau but, les joueurs sont en train de remplir l'objectif et de la plus belle des manières. Ouais, ils montrent qu'ils sont là pour gagner. Oh, la faute commise au mauvais endroit. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire Neymar? Je pense que le gardien se pose la question d'ailleurs. Oh, on va complètement manquer ce coup franc, n'importe quoi. Il n'y a pas beaucoup de conviction dans cette frappe. Hein. Serge Gnabry. Lewandowski. Lewandowski qui a vu l'appel, c'est dangereux. Lionel Messi. Ah, bien défendu, bien lu la trajectoire là, de cette passe. Kingsley Coman. Non, elle est interceptée cette passe. Mauro Icardi. Ballon perdu par les Parisiens. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. Goretzka. Ah, le ballon qui a quasiment remonté tout le terrain. Et qui en quelques secondes s'est retrouvé au fond du filet, c'est allé super vite. Ah, le pire c'est que le gardien a vu arriver le danger devant, mais il n'a rien pu faire, ils ont bien joué le coup en face.
Mito qui siffle coup franc en faveur du PSG. Messi, le défenseur qui contre ce ballon. Rafinha, un ballon que Neuer capte bien. Tolisso. Lewandowski. Porte de balle pour le Bayern. On s'attendait à une rencontre serrée, et finalement, pas du tout, hein. C'est une promenade de santé. Ouais, il domine largement, l'adversaire est pourtant d'un niveau sensiblement égal, mais j'aime vraiment que je suis surpris, là. Ah, peut-être un but, là, pour Lewandowski, en bonne position. Oh, il la manque ! Oh, mais c'est pas croyable. Tout le stade de la voyou au fond. Incroyable. Il va y avoir un remplacement. Équipe visiteuse, qui aura réussi à faire taire le public. C'est assez rare pour être souligné, hein. Grosse domination. Il est passé. Oh, le gardien qui sort vainqueur de ce duel. C'était une énorme occasion. C'est quand même le joueur adverse qui a très mal joué le coup. KSX4JJ est prié de la déplacer le plus vite possible. Merci. Ouais, lumineuse cette passe. Ah, le gardien enfin s'y est mis. Il a arrêté un ballon, c'est un événement. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, Hervé, là? Je deviens Pierre. Coman. Il faut qu'il centre maintenant. Le Bayern qui perd le ballon. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Allez, il a du champ. Oh, c'est encore chaud. Ouais, c'est raté. Il n'avait plus qu'à tromper le gardien. Hein. C'était le dernier truc à faire. L'occasion était super belle, mais il a trop gambergé et il a tiré à côté. Ah non, il rentre le ballon à l'adversaire, là. PSG qui perd ce ballon. Ah, il est passé, il file vers le but. Et l'intervention de Manuel Neuer. Ah, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Mais l'action n'ira pas plus loin. Thomas Müller qui conserve finalement ses appuis. Eh bien, quel que soit le score final, on peut dire que cette rencontre sera oubliée pour ces joueurs. Oui, on a du mal à comprendre ce qui arrive à cette équipe du PSG. Et personnellement, ça fait un petit moment, je me dis qu'elle file tout droit vers la défaite. Coman. Allez, il peut marquer. Il peut marquer Lewandowski. Oh, la nouvelle occasion. Oh, but, le gardien qui est complètement parti à l'aventure. Bon, je crois qu'il n'y a plus vraiment de suspense. Hein. Ah, ça ne passe pas. Thomas Müller. Allez, le Bayern qui part à l'assaut du but adverse. Ah, il a commis la faute là pour couper cette attaque. Et la faute, bien sûr, et le carton jaune. Jaune. C'est pas possible là, il méritait rouge, Hervé. Lewandowski qui peut encore faire craque. Allez, le plongeon là pour les photographes, même si serait quand même le danger était réel. Ouais, enfin, ça fait un peu pop-corn comme intervention quand même. Il va y avoir un changement. Pour le remplacer, le numéro 8, Leandro Paredes. C'est un ballon qui sort en sortie de but. Encore 7 minutes à jouer. Mbappé. Paredes. Ouais, il y a des options dans la surface. Après cette petite phase de possession, ils perdent finalement le ballon. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon? Il s'infiltre. Ah, c'est bien joué, ils ont su profiter des espaces pour mener une contre-attaque fatale. Ouais, comme à l'entraînement, bravo. Quelle démonstration de cette équipe, c'est vraiment impressionnant. Ils s'emparent du ballon. Ils sont bien partis pour s'emparer du trophée dans quelques minutes. Les supporters qui ont certainement envie d'en profiter. Manuel Neuer qui s'impose. Intercepté par Marco Verratti. Icardi, il est passé, Icardi. Il récupère le ballon. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention.
L'arbitre qui siffle la fin de cette partie. Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue.